La zone de la Bourdonnaise s'est constituée au fil du temps et au regard des opportunités de vente de parcelles. Avec l'installation de sièges de petites et moyennes entreprises, les premières entreprises s'y sont implantées en 68 et 69, mais également des installations d'habitations en proximité de ces entreprises. Par ailleurs, il subsistait quelques parcelles encore exploitées par des agriculteurs. La conséquence de ces ventes un petit peu diffuses, c'est qu'on avait énormément de fonds de parcelles qui étaient inexploités et peu accessibles. Donc une zone qui méritait à l'époque d'être mise à l'étude pour une restructuration globale. Le premier objectif que s'étaient donné les élus était inévitablement la maîtrise du foncier. La maîtrise du foncier avec un redécoupage de parcelles, travailler également sur les réseaux vières de cette zone avec la création de cheminements piétons de façon à ce que les circulations soient plus fluides, plus sécurisées dans le respect de l'environnement de la zone avec un renforcement de la trame verte et bleue et du maillage bocager. Dans le cadre de ce projet de restructuration, l'idée a été de fonctionner sur une voie à sens unique, gage de sécurité pour le trafic PL et VL associés sur la zone, et également toute une trame de cheminement piéton, essentielle pour faciliter des modes de déplacement alternatifs, mais également pour assurer une connexion de cette nouvelle zone d'activité avec les espaces environnants, cheminement pédestre, zone urbaine, potentiellement pour se dire que les salariés demain présents sur la zone pourront cheminer jusqu'aux zones de commerce en centralité. Sur la question du parking mutualisé, le choix a été d'opérer 7 aires de stationnement à différentes échelles par rapport à l'aménagement et la taille de la zone considérée, dans l'idée d'inciter les entreprises à revoir l'utilisation aussi de leurs parcelles par rapport à cette obligation de prévoir du stationnement pour les salariés et d'inciter aussi à l'usage du covoiturage au sein des entreprises. On est aussi sur la partie trame bleue, sur la gestion et la reprise en main des eaux pluviales depuis la parcelle, notamment privée, avec un principe d'infiltration plus à la parcelle, avec un taux d'imperméabilisation limité à 60%. On a également repensé l'écoulement de ces eaux pluviales et leur traitement par une coulée verte qui prend place à l'entrée de la zone d'activité et qui permet de temporiser avant rejet dans le milieu naturel à proximité, ce qui a permis de regagner là-dessus en qualité aussi au niveau de l'eau. Sur cette opération, on remarque que la clé a été quand même la maîtrise foncière possible par la collectivité, et ça sur un travail de longue haleine, hein, puisque là on remonte dans les années 90, où la commune puis la communauté de communes de l'époque ont anticipé et se sont positionnés sur différentes mutations concernant les fonciers présents dans quasi le périmètre que l'on connaît aujourd'hui au niveau de la zone d'activité, pour pouvoir garder la mainmise et avoir la capacité de développer une opération d'ensemble. L'idée est que toute cession foncière est soumise à l'étude d'un réel projet d'activité répondant aux critères que la collectivité s'est donné pour répondre aux objectifs inscrits dans le cadre de ce projet de zone. Alors sur la zone d'activité de la Bourdonnais, l'accompagnement de l'EPF Bretagne dure depuis 10 ans maintenant, puisque nous avons fait nos premières acquisitions en 2013. Nous avons acquis uniquement du bâti, soit d'activité, soit d'habitation, pour un total de 9 500 m². Nous avons procédé aux opérations de déconstruction, dépollution des terrains, et nous les avons revendus aux prospects
que nous a désigné la communauté de communes du Val-d'Ile. Et la communauté de communes a bénéficié du dispositif de minoration foncière de l'établissement qui permet de prendre à sa charge 60% du coût des travaux de déconstruction des pollutions. Les paramètres ont bien évidemment changé. Aujourd'hui, il n'est plus possible d'acheter de grandes parcelles pour faire de la réserve foncière. Le foncier est devenu rare et cher, et la vente de parcelles à des porteurs de projets est conditionnée par la présentation du projet lui-même, qui conduit à une discussion avec nos équipes de développement économique pour arriver à une rationalisation de l'espace et à la vente d'une parcelle la plus juste possible par rapport aux besoins immédiats de l'entreprise. Dès lors que la communauté de communes s'est engagée à proprement parler sur la commercialisation des terrains proposés sur cette zone d'activité, l'idée a été de mettre en place assez vite un outil type fiche d'analyse et de recueil des besoins de chaque projet sur les thématiques abordées dans le cadre du cahier de prescription, donc sur le volet énergétique, sur le volet circulation, sur le volet implantation du bâti, sur le volet typologie des matériaux utilisés, et qui permettait d'avoir un fil conducteur dans l'analyse et le suivi du projet depuis les premières rencontres jusqu'au dépôt du permis de construire, pour essayer en somme d'être le plus fidèle possible à ce que le cahier de prescription avait instauré comme philosophie de travail dans le cadre de ce projet d'aménagement de zone.